Il a prédisposé à être un lieu agréable et facile à vivre. La pièce dans laquelle vous vous trouvez existait du temps de la famille de Caumont. Mais M. Claverie y apportera quelques modifications. Le mobilier est de style Napoléon III. À l'époque, les meubles en bois très foncé tels que les bennes, ou encore en bois peint en noir comme ici, était très apprécié, coordonné au double rideau et aux cantonnières. La collection d'assiettes suspendues, dites victoriennes, provient de la faïence de Wedgwood, Henry est également anglaise. Au plafond, le lustre est en cristal de baccarat. Le tableau représentant une mendiante et son enfant. Tu vois ? C'est quoi? Il récupère l'oiseau. Il y a bien quelqu'un qui l'a mangé. Le château des Milan est construit au 15e siècle. Moi je l'ai goûté. Par François de Caumont. Ça lui coûte à papa. Ou lire en deux pour les appuyer autrefois, faisant référence à la situation. Où est là-bas avec tes bottes? Deviennent dès lors le lieu d'agrément et la résidence permanente de la famille de Caumont jusqu'en 1535, date à partir de laquelle le château n'est plus une résidence secondaire. Car ouais, il nous a regardé là. Passeront dès lors de plus en plus de temps à la cour. Ils représentaient le dixième de leur récolte et qui ne se payait qu'en nature. Sans risquer de le blesser. Un touré, qui est un double anneau mobile, et une longe, sont les principaux ustensiles qu'utilise tout fauconnier un peu habile en la matière. Et l'ancêtre du treuil, elle s'inspire du principe de la cage à écureuil. À l'intérieur d'une roue, un homme marchait. La taille de celle-ci était très importante, car la longueur du rayon accentuer l'action démultiplicatrice de la roue, si bien qu'un seul homme permettait à lui seul de soulever plusieurs tonnes. L'autre engin est quant à lui la grue du Moyen-Âge. Un vérin à vis était actionné par deux hommes placés sur le tambour et qui tournait cette vis sans fin, permettant ainsi la descente d'une pièce de bois actionnant un système où la corde s'enroule. Ainsi, les charges montaient ou descendaient et pouvaient également être déplacées sur le chantier, car cette machine pivotait au 19e siècle. M. Claverie, pour les modifications apportées au château, faisait venir ses pierres de charge et la signature d'un maître verrier flamand de Louvain. Cette pièce est la dernière du château au 15e siècle. Les dimensions du château à cette époque sont modestes, mais l'endroit n'en est pas moins agréable à vivre.
apprécié par Jean Bouillon, il venait y répéter avec son orchestre. Dans cette pièce, vous pouvez voir la plus belle cheminée du château, de style Renaissance. Elle est ornée d'une guirlande de feuilles d'acanthe. L'acanthe est une plante verte ornementale. Elle est uniquement cultivée pour la beauté de ses feuilles, qui peuvent atteindre jusqu'à 50 cm. Dès l'Antiquité, elle est antique. On peut également noter la présence d'arches avec des frises en feuilles de chou. Le blason de la famille de Caumont est encore une fois représenté sur la cheminée. Au mur sont suspendues deux tapisseries, une provenant des Flandres, avec pour motif un paysage. Arrête Stéphane, c'est pas intelligent. Chaotique en bas. Ah si, il y a des escaliers. Ah là. Ah oui, si. Il faut bien le tenir. Oh bah c'est génial. Ah bah. Ouais. Moi je me suis pris la chute. J'ai tout de suite la légère. Oui, mais on voudrait que tu refasses. Oh, on voudrait oui. Que tu refasses parce qu'on a on t'a raté. J'en ai marre. J'en ai là, j'en ai partout. Je me suis gâté les vaisseaux là. Non.
Goitro, 50. J'aimerais pas être sur la tour là pour te rappeler. J'aimerais. Alors là, c'est le coup. Bah dans l'eau, là. Je suis bien comme ça. La maillot de bain, je crois que j'y allais. Mais on te regarde pas, tu vas en... Je suis normal, bien hein. Comme ça. On aurait dû sortir les grandes serviettes de la... Ouais, nous, on en a sorti. Ah, mais il y en a. Ils sont pas loin. Non, ils sont dans la caravane. Ouais. Dans l'arbre, ouais. Mais c'est où le pied de la caravane dans ton champ? Ouais. Mais des dèves. Elle va chercher après son nœud, hein. Ah, arrête. Va voir mes dèves. Non, mes dèves. C'est bon, arrête. Arrête. Mets-toi dessus. Mets-toi dessus, tu vas voir. Va être bien. Regarde-le. Papa, il va te prier. Mais j'ai pas envie de prendre la bouée. T'es bien là-dessus, regarde. Regarde maman. Tu peux te mettre dans le fond, Stéphane. Mets-toi dans le fond. Tu t'accoudes dans le fond. Viens. Tu m'as mis, regarde. Viens. Viens, Stéphane. Il dort. Il dégonfle, c'est machin. Mes lunettes. Me foutez pas là-bas tout de suite. Tu mets tes jambes dans le trou. Mes lunettes. Je lâche un petit peu. Mes lunettes. Tournez si vous voulez. Mes lunettes. Mes lunettes. Mes lunettes, papa. Papa, mes lunettes. Ah oui, mais embête-nous pas avec tes lunettes. Qu'est-ce que tu veux? Mes lunettes. Allez, vite. Ah, ça vaut pas le canoë, hein, ça d'embaille. J'aime pas tes lunettes. Tu vas les perdre. Un peu grande pour lui, peut-être. Allez, la star pose.
Je vais la garder, elle est coincée dans le coin là. Allez, vas-y. Allez, vas-y, Stéphane. Alors, t'as un problème? Vas-y, Alain. Mon Dieu, que ce gros match a dit du place. Elle tient son nez déjà. Pousse-toi. Quel travail. Jette-le. Jette-le. Non, n'arrose pas. Thank you.
falloir qu'il s'enlève de là. Hein. Il va être fatigué, tu sais. Il va plus tenir, ce gosse. Ça fatigue l'eau. Hein. Parce que si on va chez... Si on va chez sa fille... Hein. Tiens.